Ông quỷ chó. Ông như chúng ta có cảm ơn to cho chúng ta cảm ơn tế vị thị xã Mạc Cà nơi ngày này tạm cao bình phị bàn trung tục ông chúng ta nâng phương xã Mạc Cà xã Mạc Cà xã xây đền viên thang sử niêm thị sĩ đều bởi dụ bây rồi phải buồn lục đạo an tán là đề ca vì thần phiếp vật miền ở vật miền phía kỳ nâng bộ phô đề ông chúng ta có hẳn chơi nhờ châu rùm được không cách chúng ta cảm ơn xã Mạc Cà ngày này សូមគោរពជម្រាបលោកប្រធាននៅក្នុងសវនាការថ្ងៃនេះគ្រប់ភាគីនៃរឿងក្តីមានវត្តមានដោយឡែកជំរាបចោតលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយមានបញ្ហាសុខភាពសវនាការនៅថ្ងៃនេះនឹងស្ដាប់សេចក្តីកម្មរបស់សាកសីដែលមានថាសនាមTC W38/4 Rồi số đấy, lục xã giấy, ta lục cho mỗi ấy. Xong bát cho một lên trường. Ở quân lục lên trường, ta lục miền là dụng con mán. À dụng nhóm 20 năm. Ở quân này thì lầm nơi phải cho bọn nó lộn nơi tiệc lại nà. Nhưng bạn nấu sọc xong phô luôn khát bạn đồng bọn. Cũng hay phục bằng cao đồng bọn lộn có thêm mũi ấy, hay mà nay bằng cao đồng bọn lộn có thêm mũi ấy. Phục nhóm bát cho mũi trên đường mà nay chẳng mũi ôn ồn. ចុះប្រពន្ធរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីហើយមានកូនប្រមាណលោកមានកូនប្រមាណអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះហួតរីមានកូនបីអ្នកអរគុណលោក
lên chướng hay tam bài ca bạc làm gì sạm là cá tha tam tam mặt tiếp đại lục ai đắng cứ lục mình miền chụp nhiệt lục hết rồi còn nhiệt quân chỉ mùi nắng bọc cô đã trở từ tour dọc vừa giờ đang đang gặp bạn đi thông đường cái này thì hãy còn mình miền chụp chuẩn mong nhiệt lục hết rồi còn nhiệt quân chỉ mùi nắng chuẩn chụp cho từng phi rùa cứ lục nôn chia nắng lục khi sầm phòn đây hay thà lục bàn tháp bát này chụp một người ta tụ mong đây nơi ở bờ tàu còn đi rồi hơi một nắng chụp một căn cái lại bắt đầu khai cam đi ta phân mệt này tí bạn tất nhầm sắp bọt này. Tôi tình ý ông nhầm ra xong bác bằng phí sức nâng cả rằng đây cách nông niềm lúc chìa xạ xây này chìa phố mốc ông chúng mình nhầm ra nè bên đi lúc lên chướng nâng nông niềm chìa lúc chìa xạ xây nâng nông cách nhầm là ca nâng sẽ đọc cái khay cam ở lúc này chìa phố mốc ông chúng mình nhầm ra là tập bông này ông chúng mình nhầm ra bị tầm ánh nông tà la ca Campuchia nè bên đi lúc ai bác đã xét nông cái chơi tốt nâng xùm nua na mui rì chân rì có ca xong rồi lộ phương thà thì bài na mui rì chân đại nòm ỏi đặt vì rốt được phép lực luôn ấy sét mình phương thật cây cắm và chăng được luôn ấy hay đại sa ca anh vật sét ni cứ ông nhầm rẻ rùm vì mui nâng ông có phép công pia xã xây nâng nhẹ nhầm liên ban rộn rùa phát đòn nơi mình bị bạc xa xã xây đại đằng quỳ nơi chân luôn ni đâm bay vì phía xa sầm bua sầm nua từng lai nát đại tầm nông chia chầm lời rứ bọ tha thì bay bọ lục to từ nông sầm nua rứ có xong mà vừa tha thì bay nút đã bị đốt được hiệp lực hồn ai hay gặp cào bị phía xá cứ lục ai chơi rứ có mình chơi to các anh đây cách thông niệm lục chia sạ xây để chụp một ông chụp nhiều đây này pin đi lục miền cái này cái trời tại chơi to từ nâng rồi sầm nô từng lái để xua những phù lục được lên tại cái này sầm nô rửa thà thà bài bọt thà thà bài nát để nó mới đạt bị rốt được phép lực luôn ấy hay chúng ta mình đi lục miền phía cái chơi to nơi với đại chỉ cà phết đại lục bàn trồng chấm bàn nâng bàn lứ bàn miền bọt bị sao ฉลองกัดหรือกบันฝึกการสังเกตเปียปอนตอลแต่นังสมนูหรือประดับให้ต่างหลายได้เพี่หรืออองจักรกรรมในอองหยิบแรกส่วนลูกลูกเลี้ยงเชิงตามตาลูกทุลพอตะใครกันสมเพียจมวยนังเนี่ยสืบสังเกตในกาหรือยายถ่ายการสืบสังเกตได้หรือตีอย่าไปประมาณชั่วโมงก็ลงมาดีบ้านยมทุลพอชั่วโมงปีปอนบุญก็โดนสมเพียยมดอกเตะยังยมเพื่อประมาณน้องลูกจองจำดีมุดดองเอาคนนะจ้อมุดเป็นโลกโจรมกการในกลายตอนใครกำลังทำประตูสามนาการนี่โลกบาลอ่านหรือกบาลปีนัดหลังวิ่งในกิจสมเพียรในโลกบาลทวีจมวยนั่งเนี่ยสืบสังเกตกระลองมองนี้ได้ดีดังใบดำหลักกายจองจำเขียนบาลอ่านมือดำดำยังลูกบ้านปีนัดคลาดได้ไอ้ตามกาสังเกตบอลลูกตาลูกปีนัดตึกเฮงทาคลำซาในการสัมผัสได้ลูกบ้านพื้นจุบุมุกเนี่ยซื้อบังเกตในการพิจารณาปีบอลบุญในเตี้ยบอลลูกให้นั่งคลำซาได้ลูกพัดดอลเอาในปีนู้นเพื่อเป็นคลำซาสลบเนี่ยได้ดีเปียคลักก็สลบเปียคลักก็มันสลบมูลเหตุเด็กยมจำมันสบบ้านในพลิกเปลี่ยนคลักเอาคนให้ลูกเลยเชื้อขนมกาซาตะเคียนกำสะใส่รุ่นนี้
ông nhầm ra sống đo bị tất cả chúng từ trong mì thị ca biết đây lục khí sống phón nằm bày mình nó cắt không cắt tăng thông nội đánh đau như phố xã xây rụng nít môn phía kỳ đợt tê tiết nữ đường cơ đây hay xã xây khí sống phón rùm nâng xã xây nguồn chiếc miền địa vì còn lạc ngay không cả sụ đánh đau như phố xã xây rụng nít xuống chơi mà Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à l'ensemble de la Chambre et des partis. Je pense que conformément à votre mémo E288, ce sont les coprocureurs qui doivent commencer l'interrogatoire de ce témoin. Il me semble, c'est au paragraphe 6 de ce mémo, c'est ce que vous aviez indiqué comme programmation. Et je parle sous le contrôle de l'ensemble des partis. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas le mémorandum auquel la Défense fait référence sous les yeux, mais la pratique est assez établie que, s'agissant d'un témoin qui a été appelé par la Défense depuis son point, il serait logique que ce soit eux qui commencent et que nous poursuivions, nous terminions ensuite avec les partis civils. Voilà notre point de vue, mais nous nous rangerons à ce que vous déciderez, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, il est vrai que nous avons indiqué que nous souhaitions la comparution de ce témoin devant la Chambre, mais je rappelle également que ce témoin figurait parmi la... Enfin, en tout cas, la déclaration de ces témoins figurait sur la liste que le procureur souhaitait avoir comme déclaration écrite. Ça faisait partie des témoignages dont Monsieur le coprocureur, enfin l'éco-procureur indiquait qu'il ne savait pas que, étant relatif aux actes et conduites de l'accusé, il le convenait de demander leur comparution. Donc, dans ces conditions, je pense que la pratique qui est que la parole revienne à la défense en dernier doit s'appliquer. Et encore une fois, le mémo E288, au paragraphe 6, ERN en français, je l'ai, 00917754, prévoit bien que les coprocureurs et les partis civils commencent et la défense est en dernier. Donc je maintiens ma demande. Monsieur le ឥឡូវអង្គជំរះតម្រាច់ផ្ដល់ឱកាសជូនទៅក្រុមវិទ្យាការពារក្តីខេត្តសំផនតាមព្រមដែនដល់ចំពោះសាក់សីរូបនេះមុនភិគីដតេទៀតនៅរឿងក្តីដែលសារមូលហេតុវិទ្យាការពារក្តីខេត្តសំផនជាអ្នកម្ចាស់សំណុំសំណើសុំជាអ្នកសំណើសុំឲ្យស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សីរូបនេះអាចមានបញ្ហាកំហុសបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងអនុសរណៈអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគូការទូទៅគឺអ្នកភិគីដែលស្នើសុំគឺ Très bien, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Leng Cheung. Je m'appelle Anta Guissé, je suis co-avocat international de Monsieur Khieu Samphan. Et c'est à ce titre que je souhaiterais vous poser quelques questions relativement au fait que vous avez vécu entre 75 et 79. Je vous invite, au cas où une de mes questions ne vous paraîtrait pas claire, à ne pas hésiter à me demander de répéter la question. Premier point. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à quel moment vous êtes entré dans la Révolution ? En quelle année, si vous vous en souvenez ? Je suis entré dans la Révolution en 1973.
Dans quelle région étiez-vous à l'époque? Est-ce que vous êtes resté à Takeo pendant toute la période du Kampuchea démocratique ou avez-vous quitté cette région? Lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh en 76, où avez-vous été affecté et par qui? Et vous-même, monsieur le témoin, dans quel groupe avez-vous été affecté exactement? Donc, si je comprends bien, vous avez été affecté comme chauffeur, c'est bien ça? Est-ce que vous vous souvenez du nom du bureau dans lequel vous avez été affecté? Et avez-vous commencé vos activités de chauffeur immédiatement après votre arrivée à Phnom Penh? Ou y a-t-il eu une période pendant laquelle vous avez eu d'autres activités? Qui était le responsable de K12 lorsque vous y étiez? Combien de temps êtes-vous resté à K12 en tant que chauffeur? Vous avez indiqué que vous avez commencé en 76. Est-ce que j'ai raison de dire que vous y êtes resté donc jusqu'en 78? C'est bien ça? Et en 78, quelle a été votre affectation suivante?
Est-ce que vous vous souvenez à partir de quand, en 78, vous avez commencé votre fonction de chauffeur auprès de M. Kyo Sampa? Quel mois, si vous vous en souvenez? Et jusqu'à quand avez-vous été son chauffeur? Est-ce que vous pouvez être plus précis sur la date de 79 ou le moment 79 au cours duquel vous avez arrêté vos fonctions? J'ai bien compris l'année, monsieur le témoin. Ce que je souhaite savoir, c'est si vous pouvez être plus précis. À quelle date, en 79, avez-vous arrêté? Ou à quel événement? Ou quel événement a marqué la fin de votre travail? Quand vous parlez de la fuite, vous parlez de l'arrivée des Vietnamiens au Cambodge, c'est bien ça? J'en reviens maintenant plus précisément à vos fonctions. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quel type de véhicule vous conduisiez pour M. Kyo Sampa? Pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé pour M. Kyo Sampa, où est-ce que vous résidiez? De sa maison. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord préciser où était la maison de M. Kyo Sampa à l'époque? Vous avez parlé du bureau 4-3. Est-ce que vous pouvez décrire à la Chambre comment était ce bureau 4-3? Sur quelle étendue se trouvait ce bureau? Et combien de bâtiments il y avait dans vos souvenirs? Quand on a dit qu'il y avait des bâtiments, il y avait des bâtiments.
bác bò lá nó miền trung bán bay về nhưng bay plau và plau cắt được từng pì để xả ổ xây tàu hàng cát plau hàng cát xả ổ xây nó tàu để mục vàng plau bật bật sang xây thế mình bên dưới này thế Dans ma traduction en français, j'ai entendu qu'il y avait trois appartements. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait un seul bâtiment avec trois étages? Il y avait trois appartements. Je comprends qu'au sein du bureau 4-3, il y avait trois routes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez décrire à la Chambre plus précisément ce qu'il y avait sur ces trois routes-là. Est-ce que vous pouvez indiquer comment étaient disposés les bâtiments à 4-3 s'il y en avait ? បានន័យថាដែលកន្លែងនៅហ្នឹងគឺវាមិនមែនជានៅគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ទេព្រោះផ្ទះដែលសម័យហ្នឹងក៏ផ្ទះកបិកពតផ្ទះណាដែលល្អទៅឬជ្រើសរើសបោះសម្អាតនៅទៅផ្ទះណាអាក្រក់ក៏បិទទ្វារចោលទៅនៅក្នុងផ្ទះ3ជួរ3ផ្លូវហ្នឹង Je comprends de votre réponse qu'au sein de 4-3, il y avait plusieurs maisons. Certaines étaient habitées, d'autres non. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de maisons qu'il y avait à 4-3, qu'elles soient habitées ou non? On va essayer de faire une estimation. Je sais que les faits remontent à longtemps. Est-ce que vous diriez qu'il y avait plus de 5 maisons au sein de 4-3? ហើយគិតមកផ្លូវ3ផ្ទះសងខាងប្រដោយប្រហែលជា2ទៅ300ម៉ែត្រគិតមកក៏ផ្ទះច្រើនដែរហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទះវាមានល្អមានអាក្រក់ប៉ុន្តែផ្ទះមិនមាននៅទាំងអស់ទេគឺអត់នៅមាននៅតិចដែរ J'en reviens donc à ces maisons habitées. Vous avez indiqué que la maison qu'occupait M. Kyosampan était à une dizaine de mètres de celle que vous habitiez vous-même. Est-ce que vous partagiez votre maison, celle où vous habitiez, avec d'autres personnes? Et si oui, lesquelles? Et la maison occupée par M. Kyosampan, est-ce qu'il l'a partagée avec d'autres personnes? Au sein de 4-3,
Est-ce que vous vous souvenez quelles sont les autres personnes qui habitaient dans les autres maisons que vous avez décrites? Est-ce que vous vous souvenez le nom de certaines personnes qui, même si vous ne vous souvenez pas de tous, mais des autres personnes que vous avez vues, vous personnellement, habiter à Quatre-Trois? Avant de poursuivre sur ce point, une précision, est-ce que vous pouvez décrire comment était la maison qu'occupait M. Kyusampan à l'époque à Quatre-Trois? Tout à l'heure, vous avez, répondant à une question de M. le Président, indiqué vous souvenir avoir répondu aux questions des enquêteurs du Bureau des juges d'instruction en 2009. Et je voudrais, peut-être pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, vous lire une partie de votre interrogatoire. Il s'agit du document E3/385. Et le passage que je souhaite lire est à l'ERN en français 00702543. En Khmer, il est au 00357 2 1 0, et ça se poursuit sur la page suivante, et en anglais 00360127. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on puisse projeter la version khmer sur l'écran afin que le témoin puisse suivre également. Le passage que je souhaite vous lire se trouve à la fin de ma page en français, et c'est la dernière question. Et voilà ce que les enquêteurs vous posent comme question ce jour-là. Où se trouvait le bureau de Kyusampan? Et votre réponse est la suivante. Le bureau de Kyusampan n'existait pas vraiment, mais sa maison était à Quatre-Trois. Quand il avait du travail à faire, il partait travailler. À la fin du travail, il revenait se reposer au bureau Quatre-Trois. J'ai souvent accompagné Kyusampan chez sa mère, qui vivait dans les environs de Bang Kengkong. Dans sa maison, il ne semble pas qu'il y ait eu un endroit pour travailler. J'ai vu qu'il y avait seulement une tablette, un canapé pour des invités, ainsi qu'un hamac dans lequel il se reposait. Il n'avait pas de secrétaire personnel, ni personne pour s'occuper du téléphone. Mais à l'intérieur de la maison, il y avait un téléphone fixe pour son usage. Quand il partait travailler, il fermait la maison à clé. Est-ce que
Monsieur le témoin, la lecture de ce passage de votre déclaration vous rafraîchit la mémoire, parce que c'est bien la maison occupée que Sampan à Katwa que vous avez décrite dans ce passage. Je vous remercie de cette précision. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, vous avez parlé donc de Katwa et nous allons y revenir dans quelques instants. Mais est-ce que vous connaissez également le bureau K1? Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance ce bureau K1 se trouvait du bureau K3? J'en reviens maintenant plus précisément au bureau K3. Vous avez indiqué que la maison que vous occupiez était à une dizaine de mètres de celle de Kyo Sampan. Est-ce que, en dehors de M. Kyo Sampan, vous connaissez d'autres dirigeants? La première question va être, est-ce que vous connaissez Nguyen Chia? Quand l'avez-vous rencontré et où, si vous vous en souvenez? Et où l'avez-vous vu exactement? Est-ce que vous savez s'il occupait une maison à Katwa et à quelle distance était-elle de votre maison tout d'abord et de celle de Kyo Sampan, si vous vous en souvenez? Est-ce que vous connaissez Yeng Sari? Est-ce que vous l'avez vu à Katwa également? Et est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance se trouvait sa maison à Katwa de celle de Kyo Sampan et de la vôtre? Lok
Vous avez un édiqué avoir vu Yeng Sari à 4-3. Ma question, première question, est-ce qu'il avait une maison à 4-3 selon vos souvenirs? Donc, de l'autre côté de la route, que celle de Pieux Sampan, compte tenu de votre description antérieure, c'est bien ça? Et est-ce que vous connaissez Madame Yeng Tirit, la femme de Yeng Sari? Est-ce qu'elle habitait également à 4-3? Est-ce que vous vous souvenez avoir vu Nuon Chea ou Yeng Sari tous les jours lorsque vous étiez à 4-3? Est-ce que vous savez s'ils vivaient à 4-3 avec leur famille? Vous venez d'indiquer que Yeng Tirit n'habitait pas à 4-3. Est-ce que vous savez si Yeng Sari ou Nuon Chea pouvait aller à d'autres endroits que à 4-3? Est-ce que vous le savez? Si vous ne savez pas, je ne vous demande pas de supposer. Je reviens maintenant plus précisément à la question des repas. Tout à l'heure, vous avez indiqué que à 4-3, on se retrouvait au moment des repas. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit ces repas étaient pris? Et qui prenait ses repas à la cuisine du bureau 4-3? Est-ce que c'était tout le monde? Monsieur Pieux Sampan et vous compris? Ou est-ce que les gens mangeaient séparément en fonction de leur poste et de leur fonction? Est-ce que vous connaissez la femme de Pieux Sampan et l'avez-vous vue à 4-3 à l'époque? Quelles étaient ses fonctions à 4-3?
Est-ce que c'est au sein de sa cuisine que vous preniez vos repas? Avec qui partagiez-vous vos repas à l'époque? Alors, vous mangez ensemble, mais séparément. Est-ce que vous pouvez préciser et quelles étaient les 10 personnes avec lesquelles vous preniez vos repas? Quelles étaient leurs fonctions à eux? Et où Monsieur Kyo Sampan prenait-il ses repas, si vous vous en souvenez? Je voudrais lire à nouveau un passage de votre déclaration E3-385. Le RN en français 007-02-544. Le RN en khmer 00357211. Le RN en anglais 00-360-128. Je voudrais vous lire un passage de cette déclaration pour rafraîchir la mémoire et savoir si nous parlons de la même chose. La question qui vous est posée ce jour-là par l'enquêteur est la suivante. C'est l'avant-dernière question en français. Le bureau 4-3 qui était un lieu réservé aux dirigeants, possédait-il une salle de réunion générale? Votre réponse est la suivante. Cet endroit n'avait pas de salle de réunion générale et je n'ai jamais vu les dirigeants se réunir. Pourtant, il y avait un réfectoire au rez-de-chaussée avec une longue table. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est cet endroit que vous décrivez dans votre déclaration dans lequel M. Kyo Sampan prenait ses repas? Toujours au sujet de 4-3. Vous avez indiqué qu'il y avait d'autres personnes dont vous ne vous souvenez plus du nom exactement qui travaillaient au sein de ce bureau, qui est apparemment, selon votre description, assez vaste. Est-ce que vous vous souvenez qui était le responsable de K3? Est-ce que vous pouvez indiquer son nom? Et
tant que responsable de ce bureau, est-ce que c'était votre supérieur à 4 ans ou est-ce que vous répondiez à d'autres personnes? Est-ce que à 4-3, vous avez indiqué tout à l'heure que, quand je vous ai relu le passage de votre déclaration sur la description de la maison de Khieu Samphan, vous avez indiqué que ce n'était pas un bureau en tant que tel. Et je voudrais savoir si vous pouvez préciser, à l'époque, si vous saviez quelle fonction occupait Monsieur concrètement, vous qui avez passé plusieurs mois à son service, en quoi consistaient ses fonctions? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire? Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à quel endroit vous avez conduit Monsieur Khieu Samphan? Je vais d'abord m'intéresser au déplacement que vous avez effectué avec lui à Phnom Penh. Premièrement, est-ce que vous faisiez beaucoup de déplacements lorsque vous étiez à son service? Miền tàu cò mũi mà đong có nâng cái lại mục vàng á lại giúp phía chán á. Lorsqu'il se déplaçait à Caen, est-ce que vous vous souvenez combien de temps il y restait? Est-ce que vous vous souvenez si vous êtes allé ailleurs qu'à Caen pendant cette période? Vous étiez à son service? Est-ce que vous vous souvenez être allé en dehors de Phnom Penh avec Monsieur Khieu Samphan? Bah,
Est-ce que vous vous souvenez combien de fois exactement? Je voudrais à nouveau citer un passage de votre déclaration devant les juges d'instruction, toujours le document E3-385. Le RN en français est le 00702546. Le RN en Khmer est le 00357212 et ça se poursuit sur la page suivante. Et l'URN en anglais est le 00360130. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaite, et c'est une demande générale que je fais lorsque je cite l'interrogatoire du témoin, que l'on puisse m'autoriser à l'afficher. Passage que je souhaiterais vous revoir avec vous est en français la quatrième réponse, enfin la quatrième question et votre réponse. Voilà la question qui vous est posée à l'époque. En quoi consistait le travail de Khieu Samphan? Voilà la réponse que vous faites. Je ne l'ai jamais vu se rendre sur un chantier ou aller inspecter l'élévation d'un barrage ou le creusement d'un canal. Khieu Samphan est allé dans la province de Kandal une fois et dans la province de Takeo une fois. J'ai l'impression qu'il n'avait pas beaucoup de travail à exécuter. Pourtant, je savais qu'il était le président du présidium de l'État, parce que j'avais entendu cette information à la radio et dans les haut-parleurs. Première question, monsieur le témoin, par rapport à cette déclaration, en vue de vous rafraîchir la mémoire. Les deux fois que vous avez évoquées tout à l'heure en répondant à ma question correspondent-elles à ce déplacement à Kandal et l'autre déplacement à Takeo? Est-ce que ça correspond à vos souvenirs? Je voudrais également vous reporter à un autre passage de votre déclaration. C'est la page précédente. ORN en français 00702545. ORN en Khmer 00357212 et en anglais 00360129. En français, il s'agit de l'avant-dernière réponse, qui est un grand paragraphe. Voilà la question qui vous est posée par l'enquêteur à l'époque. Après que vous ayez décrit les déplacements à Caen que vous faisiez avec M. Khieu Samphan, il vous demande, à part cela, où l'avez-vous encore conduit? Votre réponse, je l'ai emmené visiter les alentours de Phnom Penh, mais il n'est jamais descendu nulle part. Il se contentait de regarder à l'extérieur et de rentrer au bureau K3. Il m'avait ordonné une fois de l'emmener dans la province de Kandal afin d'inspecter les inondations. Mais il n'allait voir personne. Il se contentait d'inspecter. On m'avait ordonné de l'emmener une fois inspecter un barrage dans la province de Takeo. Mais comme la voiture ne pouvait pas avancer sur une route qui n'était pas carrossable, on a fait demi-tour et on est allé visiter ma maison dans la province de Takeo. En dehors de cela, il ne m'a jamais ordonné de le conduire visiter un chantier de construction de canaux ni d'édification de barrages. On n'allait jamais non plus dans les centres de sécurité.
Est-ce que le rappel de vos déclarations vous rafraîchit à la mémoire et est-ce que ça correspond bien au seul déplacement que vous avez fait à l'époque avec M. Khieu Samphan? បាទដូចជាម្ដងរូបពីរដងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេចឹងចម្លើយហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹកឃើញសារឡើងវិញគឺខ្ញុំអាចជូនគាត់ពីរដងតែមើលទឹកចំនួនដោយគាត់ដូចសំណួរខ្ញុំគាត់ចម្លើយខ្ញុំបានឆ្លើយហ្នឹងហេតុទៅខាងតកែវហ្នឹងតែមើលមិនដឹងជាទៅមើលស្អីទេគេទៅដល់ដល់ទៅបើកឡានទៅមុខអត់រួចត្រឡប់ក្រោយវិញប៉ុណ្ណឹង Je voudrais une précision par rapport à la phrase que vous aviez utilisée dans la déclaration. Quand vous dites « je l'ai emmené visiter les alentours de Phnom Penh », est-ce que vous voulez dire que vous étiez en dehors de Phnom Penh ou est-ce que vous étiez à l'intérieur de Phnom Penh ? Est-ce que vous pouvez préciser ? Ce sont les moments où vous indiquez dans votre déclaration qu'il se contentait de regarder à l'extérieur et de rentrer au bureau K3. Est-ce que vous vous souvenez si c'était des visites à l'intérieur de Phnom Penh ou à l'extérieur? Et vous dites qu'il restait à l'intérieur du véhicule, c'est bien ça? Et à quelle fréquence est-ce que vous faisiez ces visites? Un autre point que je voudrais aborder avec vous par rapport aux fonctions qu'occupait M. Khieu Samphan à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez s'il a reçu des visiteurs étrangers pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé pour lui? Oui, monsieur le témoin, et c'est parce que justement les faits remontent à loin que je souhaiterais à nouveau vous rafraîchir la mémoire par rapport à votre déclaration devant les enquêteurs. Toujours le même document, E3-385, ERN en français 00702548, ERN en Khmer. ERN en anglais 00360132. Je m'intéresse à la en français à la quatrième réponse. Voilà la question qui vous est posée ce jour-là.
Qui rendait visite à Khieu Sampan? Votre réponse? Il a reçu des visiteurs environ 2 ou 3 fois. Il y avait des diplomates, par exemple, qui venaient lui remettre leurs lettres de créance, et le lieu d'accueil se trouvait derrière le palais royal. Cette rencontre durait environ 1 demi-heure seulement. Ma question est la suivante. Est-ce que la lecture de votre déclaration vous rafraîchit la mémoire? Et est-ce que vous vous souvenez avoir conduit M. Khieu Sampan 2 ou 3 fois pour recueillir les lettres de créance d'étrangers, de diplomates étrangers? De façon générale, à part les quelques déplacements à Caen, les moments, les 2 déplacements en province que vous avez évoqués, à Kandal et à Takeo, et les lettres de créance qui lui ont été remises, est-ce que vous vous souvenez d'autres activités de M. Khieu Sampan pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé pour lui? À la même page que je viens de citer, c'est-à-dire 007-02-548, en Khmer, c'est le 00357214 et en anglais 00360132. Voilà la question qui vous est posée par l'enquêteur lorsque vous avez été interrogé ce jour-là. Question. Pensez-vous que Khieu Sampan est quelqu'un de puissant? Quelle est votre réponse? Je trouve que non, parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas beaucoup de travail à faire. Il était la plupart du temps à Phnom Penh. Ma question est la suivante. Est-ce que cette impression qu'il n'avait pas beaucoup de travail à faire correspond toujours à vos souvenirs? Est-ce que pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé avec M. Khieu Sampan, vous vous souvenez l'avoir accompagné à des réunions publiques, j'entends, des grandes réunions? S'agit-il du stade olympique à Phnom Penh? Est-ce que vous vous souvenez à quelle date cette réunion a eu lieu et quel était son objet? Bah,
ខ្ញុំអត់ចាំទេព្រោះប្រជុំរឿងខ្លឹមសារអ្វីគាត់ដឹងដែរពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅឆ្ងាយ Est-ce que je dois en conclure que vous n'avez pas assisté à cette réunion? Je voudrais à nouveau lire un passage de votre déclaration. 00, donc toujours E3-385, ERN en français 00702545, ERN en Khmer 00357211 et ça se poursuit à la page suivante et le RN en anglais 00360129. Voilà la question qui vous est posée à l'époque. Une fois devenu chauffeur de queue sans pan, à quels endroits l'avez-vous emmené? Votre réponse: en 78, j'ai accompagné queue sans pan au stade olympique pour prendre part à un grand meeting avec la participation de milliers de cadres et d'ouvriers. Tous les dirigeants ayant participé, tels que queue sans pan, Nguyen Chuya, Pol Pot, mais je n'ai pas vu Son Sen. Ma question est la suivante. De votre réponse, mon impression que vous avez assisté à ce grand meeting sans y participer pleinement. Est-ce que vous avez vu les participants à ce meeting? On a annoncé leur nom par haut-parleur. Est-ce que vous savez si M. Khieu Sampan a pris la parole ce jour-là? Est-ce que vous vous souvenez qui animait ce grand meeting? Quelle était la personne qui animait ce grand meeting? Je vous remercie de ces précisions. En dehors de cette réunion au stade olympique, est-ce que vous vous souvenez l'avoir accompagné à une autre réunion? Ah,
Ce qui est très compréhensible, monsieur le témoin, parce que les faits remontent à loin. Je voudrais simplement, pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, évoquer un autre passage de votre déclaration, toujours donc 3/385. ORN en français 007-02-546. ERN en Khmer 00357213 et ERN en anglais 00360130. Là, il s'agit de, en français, la troisième question et réponse avant la fin. La question qui vous est posée ce jour-là est la suivante. À quelle réunion avez-vous conduit Kyo Sampan ? Votre réponse, en 2009. J'ai emmené Kyo Sampan à des grandes réunions deux fois, une fois au stade olympique et une autre fois à l'ancienne assemblée. À la réunion à l'ancienne assemblée, j'ai vu un grand nombre de cadres qui venaient des zones et des régions. Je le savais parce que j'en ai vu certains et j'en ai entendu parler par les conducteurs et les gardes du corps de ces cadres. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez de cette deuxième réunion et est-ce que vous y avez assisté? Oui, parfois mes questions peuvent vous sembler répétitives, c'est que je cherche à avoir des précisions et que dans la mesure où nous avons des déclarations de vous avant votre déposition dans la Chambre, je me dois d'obtenir ces précisions et je suis désolé si vous avez l'impression que je me répète. Je poursuis donc. Est-ce que vous connaissez le bureau 870? Et est-ce que vous savez, sans savoir où il était, qui était la personne en charge de ce bureau? Et est-ce que vous savez jusqu'à quand il a exercé ses fonctions? Est-ce que vous connaissez un dénommé Ken? Est-ce que vous savez quelle fonction il a occupé? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Je voudrais citer à nouveau un passage de votre déclaration E3-385. ORN en français 00702547. ERN en Khmer 00357214 et ERN en anglais 00360131. Voilà la question qui vous est posée à l'époque par l'enquêteur. Après l'arrestation de Pang, qui lui a succédé? Votre réponse est la suivante. Le nommé Ken est venu le remplacer. Sa femme est toujours en vie, mais je ne sais pas où elle habite. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez maintenant, si ça vous rafraîchit la mémoire, que à l'époque, Ken a remplacé Pang? Et monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez certain Tassot? Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre quelles étaient ses fonctions? Est-ce que vous vous souvenez s'il a travaillé au sein de K12 comme vous? បាក់ឡានហ្នឹងគាត់នៅគេជាអ្នកបាក់ឡានដែរហ្នឹងអូគុណលោកមេធាវីអរគុណសរសៃលានីដល់ពេលសម្រាប់ហើយសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់មកពីនីតិរយៈពេល 2 Some crowd show.